nous prévenus qu'ils allaient s'aller. Mais qu'on place de ta nation, la religion, la Babylone et enfin bref. Pour la sécurité des folles, des pyros, trop dehors. L'interprétation sur l'embrayage illégal et légal. Pour la sécurité des folles, des pyros, trop dehors. L'interprétation sur l'embrayage illégal et légal. Salva fini, Bocaïman. Si et ses variétés à la. Nous là pour la protection de la nature. Mais avant, à la simple, de la déforestation. Ici, à la mosquée, on est aussi surveillé les Caribes. Surveille moi et mon rêve. Oui, qu'on appelle la camoufie. Camoufie, King of Nick. Motherfuck, motherfuck. Pour toujours derrière. Elle passe les nègres par derrière. Yeah, c'est ce que tu sais pas. Après ça, tu supplieras. Mais pas tout, pas toi. La gendarmerie s'offre et toi. Attraper les bocaloka. L'homme des coquilla. Et Dio Rasta. Mais Awa n'était pas tellement nous. Pas carave ni prof. Et qu'à jaloux nous. Famille des Slishman. A comme vous l'ayez. Croquier. Cramélio. Boum. Salut l'Alsace. Salut les Blancs. On a parcouru des milliers de kilomètres pour venir dans votre territoire. On a traversé des dangers, des océans, des requins. On est d'abord venu en pirogue, ensuite on est venu à pied à Saint-Georges. On a couru sur la route de Cayenne comme un jaguar. On a cassé un gros bois pour faire un bateau pour venir à Marseille. On a laissé notre arc, baguette, flèche là-bas, à Marseille où il n'y avait personne pour venir jusqu'ici dans votre territoire. Et on a faim! On voulait manger de la viande crue! Votre chère mesdames et messieurs a l'air délicieux comme un dessert! Yeah! Il était une fois, au village, il y avait une fille très belle. Elle ne s'intéresse pas aux garçons. Un jour, dans ce village, il y avait une grande fête. Il y avait des gens qui viennent d'ailleurs. La fille ne regarde pas les garçons, sauf le dernier qui vient. Il a des beaux yeux, de longs cheveux et une short à la mode. Il avait des poils. Elle évite de venir danser avec elle. Elle évite de venir dans son hamac. Là-bas dans cet hamac, il y avait une grande fête. Les garçons retirent son t-shirt et l'a jeté vers la forêt. Il avait des pectoraux et des dominos. Il a des beaux cheveux, des beaux yeux et des poils. Waouh, classique, c'est l'homme tapir. La fête durait 5 jours. À la 6e jour, le garçon décide de partir chez lui dans la forêt. Je veux partir avec toi, s'il te plaît. Je t'aime, mais je peux pas te ramener. Car la vie dans la forêt et les villages, c'est pas pareil. La vie dans la forêt, c'est trop difficile. Il n'y a que les guerriers qui peuvent aller dans la forêt. Mais comme tu es une fille, je peux pas te ramener. Il y a beaucoup de dangers. Des serpents, des garipéros, etc. Non, je veux partir avec toi, je veux apprendre et je veux devenir une macane. Et le tapir est d'accord. Un an passe, la femme attend un bébé tapir. Tous les jours, son père met sa main dans le ventre de sa femme pour retirer le bébé. Il voit si tout va bien
et il remet à sa place. Les bébés nés, la tête de tapir, les mignonnes, là, des poils, des taches blanches. Super! Tous les jours quand l'homme tapir dort, la femme prend le toupoi, prend le bébé et met dans le toupoi. Il va vers la forêt. Il est arrivé dans une abatie. Et la femme connaît cette abatie. C'est celui de ses parents. Il prend des ananas, des bananes, des cramagnoles pour nourrir son bébé. Et il va tous les jours. Il prend des bananes, du ananas et du cramagnol pour nourrir son bébé. Un jour, il a croisé ses parents. Il était à la chasse, en train de surveiller l'abatie. C'est bientôt ma fille. Je te reconnais plus avec toutes ces poils. Et la fille dit, oui, c'est bien moi. Et j'ai une toute petite bébé tapir. Je t'invite ce soir à venir manger chez nous, là-bas dans le village. Manger, à boire. Et n'oublie pas de ramener ton mari. Il a beaucoup de choses à nous dire. Et la femme rentre chez elle. Elle raconte tout à son mari. Viens avec moi, mes parents nous invitent à manger et à boire. Tu verras, ce sera super. Le père a pris sa coupole, il met son bébé dedans et il va vers la forêt. Il est arrivé dans une abatie. Il y a une grande trou. Il y a le père et le frère qui sont là. Punaise, c'est un piège! Le père et le frère attrapent le tapir et son fils pousse dans le trou. Et il y a les hommes de son père qui sont sortis de leur cachette et leurs flèches et leurs arcs. Crève, crève! L'homme tapir et son fils sont morts. La femme hurlait, elle a mal, elle veut le rejoindre. Le père prend, il met la fille sur le dos, il rentre chez lui. Là, il y a sa mère qui prépare des médicaments. Il prend le maïs pourri, il met sur le feu. Il prend de l'eau, il renverse. Il prend du épice. Du banane. Du ail. Du pomme. Du citron. Du pneu. Mélange. Tous les jours, il nettoie sa fille avec ce médicament. Elle a perdu ses poils et ses chairs et ses feux. La femme est guérie. Oui, mais le village n'est pas sa vie. Sa vie, c'était dans la forêt. Elle a perdu son bébé à tout jamais. Au bout de trois jours, la fille décide de mourir. Ah!
si, dis-moi. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Tigua, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, yeah, ya. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Il était une fois, il y a un chasseur qui se blesse à la chasse, qui ne peut plus nourrir sa femme. Il est tout le temps dans les hamacs. Mais putain, mais tu déconnes ou quoi? C'est mon beau-frère qui l'apporte à manger, c'est pas normal ça. La femme regarde toujours le mari couché dans le hamac au lieu de partir à la chasse. Un jour, la femme décide de prendre le katouri pour aller en direction de la fleuve. Il y a plein de poissons, aymara, pacou, tant de poissons que je ne connais pas. Le beau-frère dit, où t'as trouvé ce poisson? Il y a une crique pas loin d'ici, il faut juste se baisser et prendre le poisson. Le beau-frère a trouvé cette histoire bizarre. Le plus bizarre encore, c'est la voix de la femme s'agrandit. Mais oh, elle enceinte ou quoi? Elle a ton bébé ou quoi? Un jour, le beau-frère décide de la suivre et se cache dans un grand arbre. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit la femme au bord des fleuves. Il ouvre ses bras, mon morue, poisson, poisson. Quelque chose lui a répondu. Mancon! L'eau commence à bouillonner. Il y a des vagues. Il y a une nouvelle tête d'anaconda qui sort de l'eau. Il ouvre sa grande gueule, il plonge dans l'eau pour rattraper le poisson. Il met dans le katouri de la femme. Il la caresse, il a fait des tchoup-tchoup. Il plonge dans l'eau. La femme retourne au village. Le beau-frère sort de sa cachette. Il ouvre ses bras. Mon morue, poisson, poisson. Quelque chose lui a répondu. Mancon. L'eau commence à bouillonner. Il y a des vagues. Il y a une nouvelle tête d'anaconda qui sort. Il ouvre sa grande gueule, il plonge dans l'eau pour rattraper le poisson. Il met dans le katouri de son beau-frère. Le beau-frère prend le sable, il coupe la tête.
d'Akonda. Il prend un petit morceau, il met dans le katouri. Le beau-frère rentre au village. Écoutez-moi, il voit son mari et la femme coucher. Écoutez-moi, on va faire un bon repas, je tue à l'Akonda. La femme pleure en direction des fleuves. Et hurlant, s'arrache les cheveux. Le beau-frère décide de la suivre. Il se cache derrière une grande arbre. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit la femme en train d'accoucher. Il y a des milliers de petits d'Akonda qui sortent dans le ventre de sa mère. Mais qu'est-ce qu'il voit? Elle est morte! Le beau-frère sort de sa cachette. Quelque chose lui a répondu. Mankan! L'eau commence à bouillonner. Il y a des vagues. Il y a une nouvelle tête d'Akonda qui sort de l'eau. Il ouvre sa grande gueule, il plonge. Et il remonte. Il se transforme en petite vieille. Il va près de son fils. Il coupe la liane. Il fait couler la sève dans sa coupure. Et l'Akonda reprend en vie. Sa mère donne une clap. Je t'avais dit, mon fils, je t'avais dit, il ne faut pas prendre une femme de l'autre. Le beau-frère sort de sa cachette. Il voit la liane. Il rentre au village. Écoutez-moi, madame de monsieur. Il y a cette liane. J'ai trouvé cette liane qui guérit. Chez nous, à Kamopi, il y a cette liane qui guérit tout. Badjouhou, tchouchouhou. La liane qui guérit tout. Je suis le jaguar, je mange les hommes. Attention, je veux manger ton chien local. Avec mon sabre, je vais tous couper vos têtes. Je m'appelle le perroquet. Avec mes plumes, je veux faire un grand tourbillon. Je suis aussi le roi de la jungle. Attention, ne tuez pas les animaux. Si tu les tues, avec mes grands tourbillons, je veux vous détruire la maison. Nation!
m'appelle Moustique. Je pose des œufs dans l'eau et je vous suce le sang. La Corse, vous mangez pas la Corse, mais lui, il mange la Corse. Moi, je m'appelle Wakaman et j'ai des super pouvoirs. Je pouvais monter au sommet d'un arbre comme le Tour Eiffel de Paris. Et je suis le fils de Dieu et je marche avec la paix. Avec mes griffes, mais j'ai juste un petit défaut. Je suis accro sur mon portable. Je suis accro sur mon disque. J'ai une application dans mon portable. Je suis accro de Facebook, WhatsApp, Snapchat. Avec mes carapaces, je vais casser ta pirogue et casser la tête. Du lac. Attention, je tue tous ceux qui se trouvent sur ma route. Chauve-souris géant. Deux énormes chauves-souris étaient des vampires. Elles vivaient au Brésil dans une grotte sombre. Au village, il y avait de la fête. Les gens s'amusent, ils boivent du cachérine, ils dansent. Chut. Pendant la nuit, les deux énormes chauves-souris, elles rentrent dans le village. Elles rentrent dans la maison. Ils voient d'enfants. Ils prennent un enfant. Ils prennent un bébé.
prendre un petit garçon. Elle s'en va au Brésil. Il dépose l'enfant dans un drap. Le lendemain matin, les parents se réveillent et voient que ses enfants sont disparus et personne ne sait ce qui se passe. La nuit tombe. Le petit garçon a une idée. Il a trouvé un long fil blanche, il l'attache sur son pied et l'autre bout, il l'attache sur un arc au milieu du village. Et il va se coucher. Pendant la nuit, les deux énormes chauves-souris rentrent dans le village. Ils rentrent dans la maison. Ils voient d'enfants. Ils prennent un enfant. Ils prennent un bébé. Prends un petit garçon. Elle s'en va au Brésil. Il dépose l'enfant dans un drap. Ils n'ont pas vu le fil blanche. Le lendemain matin, les parents se réveillent et voient que ses enfants sont disparus et personne ne sait ce qui se passe. Sauf une femme a vu une fil blanche tendue vers le Brésil. Les hommes font des équipes, ils suivent le fil blanche, ils arrivent au Brésil. Il y a une grotte, devant la grotte, il y a deux chauves-souris qui disent « Qu'est-ce que vous foutez là ?»« Bon, bon, on est venu vous inviter à une grande fête au village. » »« Ah, ok, d'accord. » Les deux chauves-souris ont accepté. Les hommes retournent au village, les deux chauves-souris arrivent. Bon dia, tout bien. Venez vous asseoir. Les femmes, ils servent du cachéri aux chauves-souris. Les hommes en boivent un tout petit peu. Les deux chauves-souris, ils boivent beaucoup de cachéri. Ils font de la fête. Font de la fête. Ils dansent. Elles tombent par terre. Les hommes capturent les chauves-souris et les mettent dans une cabane qui est toute fermée. La voie est libre. Les hommes font des équipes. Ils partent au Brésil. Ils arrivent dans le grotte. Il y a des insectes, du sang, ça pue. Ils voient l'enfant. Ils détachent, ils ramènent au village. Les femmes ont été chercher les bois. Ils ramènent, ils allument et la flamme qui monte. Les hommes prennent les chauves-souris et les jettent dans le feu. Au cas de maman, ça brûle pendant 4 jours. Le matin, il ne reste plus que des cendres. Le vent vient ailleurs. Les cendres des chauves-souris s'envolent et se transforment en moustiques. Transporte le maladie. Pas le diarrhée. Et il va suivre le sang. Je suis le clown. J'ai grandi dans une poubelle. Je mange tous les poubelles. Mais comment je suis le jaguar. Je viens du soleil. Mon père c'est Jésus. Je pas de mère. Je suis le jaguar.
Je m'appelle Tilele Mourorémi. Je suis tombé du ciel un jour de neige. L'oiseau m'a emporté devant une porte. Je m'appelle Moustique, je suis né à Cayenne. Mon père s'appelle Moustine et ma mère s'appelle Moustique. Je m'appelle Wakaman. Je me suis fait grandir par ma mamie, Marilyn. Et mon ange gardien, c'est la cosse, le caïman. Je suis la lionne. J'ai grandi dans la rivière avec mes amis sirènes. Chukai, ça veut dire le sage. Je suis né dans la forêt. Je suis le Tamanoir. Je suis né dans la forêt. Je m'appelle Muriela. Je suis né dans l'eau avec les Tortues Ninja. Je m'appelle Jimmy Paul. J'ai grandi dans l'ombre. Je m'appelle Gangster. La console m'a fabriqué. L'homme tapeur m'a ramené chez lui. Dis-moi qui veut me tuer. Awaso Jikatane. Pourquoi ils veulent me tuer? Baleso Jikatane. Ils veulent prendre notre terre. Ukritano de Wum. Pourquoi veulent-ils prendre notre terre? Baleso Kritano de Wum. Est-ce qu'on va se battre encore? Tizero Ataleso. Pour aller de l'avant. Tizjao Kunara. C'est toi qui as pris mon œuf. Ben, c'est toi qui l'as pris. Ben, enfin, je t'ai trouvé. Tu m'avais cassé le pied et moi, je t'ai su. Avec mon pote, on a vu dans la télévision un vrai pourri. La fièvre de l'or. Je suis un pourri. Je suis le président des orpailleurs. On critique l'or. On critique la déforestation de Deakang. Protection de Deakang. Il n'y a que ça dans les bouches des gens en Guyane. Dans ce pays, il y a plein de richesses. Et on nous accuse de quoi, nous? Bon, il y a eu l'histoire du mercure.
Je me suis engueulé avec un scientifique. Il m'a dit que les empereurs polluent. Le mercure, ça tue des poissons et ça tue des chevreuils. Ça fait des enfants handicapés, gnagna, taoukieux. Pouf, mensonge. Avant de venir ici, j'étais un bandit des Caraïbes. Quand j'étais jeune, j'ai fait de la contrebande. Je vendais de la drogue illicite. Pourquoi? Du crack. Du crack. Je veux tuer les Amérindiens en mettant du crack dans leur cacherie. Je veux voler leurs terres et des femmes. Je veux détruire leurs fleuves. Et on va se faire plein d'argent. Les hommes, les femmes et les enfants. Enyo de Kamicha, Enyo de Kasuru, Enyo de Kanicha, Tere Wata, de Uan, Te Komu, Opik Tarunam, Yararunyam, Ate Panatikom, Pananaro Pijoro, Ugom, Upere, Wiru, Rurong, Tanjipera, Rapare, Tananakom, Panatire, Helza, Pipitsing, Ozewe, Jere, Tanakom, Aparakupure, Ozozopin, Kunom, Wunu, Fisakaya, Zozopin, Wajapira, Buturo, Kupau, Nous, les Comacans, on veut vivre en paix, on ne veut pas la Guyane sans nous. Notre présence, c'est notre passé, notre futur. Dans nos mains, dans nos pieds, dans nos fesses, dans nos bonnes ventes, dans notre cœur, dans notre sang et dans nos esprits. Nous avons petite sœur chauve-souris. Mon frère Jaguar. Cousine. Cousine araignée, capitaine Tatou, mamie anaconda, et tous les singes hurleurs sont nos frères. Hein? Awa? Oh na 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 na. Oh yo 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 yo. Indochina ankeau. Anamantin. On va vous présenter tous ces jeunes guerrières. On va vous montrer comment elles sont fortes. Nous, les Comacans, nous sommes là, nous sommes vivants. On vit dans une petite village de Kamopi, 9730. Ok, j'espère que vous avez bien retenu. Ça, dans votre tête. Bon, allez, on s'arrache. Angé pasé matouillon,
tam si pera la baira ut. I kasi, I fort, do ki jedi. Ange pe wu bo ut. Pe wu po pe. Ma mère a copé qui j'ai. Donc j'ai dit, ma mère c'est qui j'ai comme. Avec du taille côté haut. Je suis le guerrier légendaire de Tecomacan. Je suis Tamsi Pelarap. Je chevauche le crocodile. Arrête de mourir comme ça. Si tu es mort, tu ne pourras pas revenir en arrière. Arrête de mourir comme ça. Si tu es mort, je veux être prise. Il faut être fort pour aimer notre terre. Il faut danser pour entrer dans nos rêves. Je n'ai pas peur. Je suis le guerrier légendaire de Tecomacan. À tous les puissants qui se mettent à table pour boire notre sang et celui de la pisse, à tous ceux qui nous agressent et nous écrasent avec le projet de la montagne d'or pour s'enrichir encore et encore. Ça suffit! Non, 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 la montagne d'or, c'est hors de question que nous détruisons encore. Trouve d'autres solutions, sauve-moi de la mort. Notre cœur est relié à la terre de notre ancêtre, et la terre est la malle, alors nous aussi on a mal. Vous traversez l'océan, vous apportez du poison, nous on veut du biscuit, du basket, du jambon, du diplôme. On veut ton pantalon. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 millions d'euros, nous on a des yeux. Pour voir les montagnes visibles. Nous sommes résistance, respect, honneur. Respect pour le bas de Canopy. Respect pour la cause, bon marre. Respect pour le tapir. Respect pour le moustique de Cayenne. Respect pour le toucan de Marie Passoula. Respect pour Chinaman, notre roi de la jungle. Respect pour tous les saints journaux. Merci.
Pour vous aujourd'hui, dans les Saints Hurleurs, il y avait notre guerrier légendaire Tamsi Pelala, la réincarnation même des Tekomakan, Mouro, notre perroquet. La tortue Makan qui assassine les oursons, Muriela Tukum. Notre tamadoua, le tamanoir, qui va bientôt défier Teko Kila et Teko Makan, les deux les deux MC de Kamopi sur les plateaux hip-hop du village, Silez. Attention à son regard, attention à son cri, Kari, le macaque, Juliette. Notre éclaireur, les battements de tambour de toute la tribu, Toucan, Dimi Paul. Le roi des braquages des sites d'orpaillage illégaux à Kamopi, notre gangster, Danny Paul. Notre danseur homme jaguar chauve-souris géant. Jean-Claude, Zawa Pinim, le chien tacheté. Notre clown, notre bouffon, le kangourou, le chien bagarreur, Ricardo Pinto Tavares. Notre moustique de Cayenne, la nation, Tricia qui va bientôt ouvrir un resto à Cayenne. Le détenteur des savoirs de la tribu, notre guerrier de la paix, Wakaman, Caïman, Lacoste, Jean-Louis. Notre lionne avec un grand cœur de colibri, Miss Guyane. Apolline. On aimerait inviter Captain Tatou. Captain Tatou. Capitaine Tatou, le directeur de séjour, qui, voilà, on accueille en vie quotidienne, donc à la Maison de la Nature, comme une colo, mais c'est pas tout à fait une colo, parce que voilà, c'est des vrais pros qui travaillent ce spectacle, mais il nous fallait un directeur de colo aussi, et c'est notre Capitaine Tatou, notre RAF. Il y a aussi le collectif Lova Lova, avec Scarabée et Crabe, comment on dit Crabe? Tipoko. Tipoko. Léa Manien, notre Tawood, Chouchouhou, Myriam en mise en scène à mes côtés, en costume accessoire également, Myriam Pélican. Notre persécutionniste, il est capable de faire sonner des barges d'orpaillage rouillées, ruinées sur le fleuve Maroni, ou sur l'Oyapoc, Cayo Miguel Montoro. Notre Saroro, Saroro, géante, la loutre géante,
la maman du projet, notre coordinatrice. À mes côtés, Odile Kerker. Et le quart.